Bonjour les tricophiles, on se retrouve donc aujourd'hui dans un nouveau tutoriel dans les tricots de Gulle pour tricoter ce très joli gilet. Donc c'est un gilet pour petits garçons, c'est un gilet je pense qui devrait aller de 8 mois jusqu'à 1 an et demi en fonction de la corpulence de l'enfant. Donc les tricopines, avant d'oublier, je vais vous dire, donc si vous utilisez les mêmes dimensions que moi, donc je vous ai dit que ça pouvait aller de 8 à 1 an et demi, de 8 mois à 1 an et demi. Si vous voulez l'agrandir les tricopines, c'est très simple. Vous allez, ici j'ai monté un certain nombre de mailles, donc vous allez rajouter 2 mailles supplémentaires devant, 2 mailles supplémentaires de ce côté-ci et 4 mailles pour le dos. Donc si vous voulez l'agrandir en fonction de l'âge de l'enfant. Donc par chaque tranche d'âge, vous allez rajouter 4 mailles pour le devant et 4 mailles supplémentaires pour le dos, c'est-à-dire 2 mailles de plus pour chaque côté. Et pour ce qui est de la longueur, les tricopines, vous allez tricoter 4 rangs supplémentaires. Donc vous allez tricoter 4 rangs supplémentaires. Si vous voulez le faire pour un enfant de 2 à 3 ans, par exemple, moi j'ai commencé avec 30 mailles. Vous allez commencer avec 32 mailles un côté et tricoter 4 rangs supplémentaires. Donc, les tricopines, voilà. Donc, pour réaliser ce très joli gilet, regardez, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas compliqué. Vous allez voir qu'il n'y a pas de complications majeures. Par contre, il y a beaucoup de rangs raccourcis. Donc ce gilet se tricote énormément avec le rang raccourci, vous allez voir, pour obtenir cet effet arqué ici, pour les poches, et je vais vous montrer le dos, regardez, et pour le dos, et vous allez voir qu'il se tricote en, vous allez, c'est-à-dire en deux parties, on va dire, vous allez tricoter les deux devant, on va les assembler pour tricoter le dos après, et nous avons des coutures que sur le côté ici. Je vais vous donner la longueur. On me demande souvent la longueur. Donc, je vais vous donner la longueur totale au niveau de l'épaule. Alors, je vais vous le donner d'ici au devant, regardez. À l'arc de devant, j'ai 25 cm. Si vous voulez la longueur totale, j'ai 30 cm. 30 cm jusqu'à la pointe ici. Je vais vous donner la largeur sous les bras. Nous avons entre 22,5 et 23 cm. Le dos est un peu plus long, les tricopines. Je vais vous donner aussi. Donc, en partant ici, regardez, au niveau du V du dos, regardez. En partant de là, j'ai 24 cm. En partant des épaules jusqu'au au total, j'ai 30 cm comme notre devant. Voilà les tricopines. Donc, pour le réaliser, il vous faut des aiguilles numéro 4, comme je l'explique dans la partie réalisation, et de la laine. Donc, moi, j'ai pris une laine bébé et je vous donne les caractéristiques de cette laine dans la réalisation. Et les tricopines, regardez. J'avais 2 pelotes, donc j'avais 100 grammes, et voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc il me reste pas mal, donc il vous faut un petit peu plus de 50 grammes de laine pour réaliser ce gilet. Donc j'ai été vraiment surprise, parce qu'il faut dire aussi que là j'ai 165 mètres pour 50 grammes. Et regardez, j'ai vraiment un rendu qui est, je ne connaissais pas, donc j'ai aimé cette laine, j'ai choisi. Et vraiment, regardez, nous avons un très très joli rendu qui est assez souple, assez doux et qui est vraiment adapté aux enfants en bas âge. Donc, dans la partie réalisation, je vous parle un peu plus du choix de la laine. Voilà les tricopines, nous pouvons, si vous le désirez, passer à la réalisation. N'oublions pas que nous avons besoin de 5 boutons. Donc vous pouvez utiliser les boutons de votre choix. Moi, j'ai mis des boutons noirs pour mettre un peu plus en valeur notre petit gilet. Voilà, nous pouvons passer à la réalisation, les tricopines. Pour la réalisation de notre petit gilet, j'ai choisi
une laine encore de chez DMC. Donc c'est la Candy Baby Knitting. Donc ce sont des laines totalement adaptées au bébé. Et donc c'est une pelote de 50 grammes qui fait à peu près 165 mètres et qui se tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc, et les compositions de cette laine, c'est 55% de polyamide et 45% d'acrylique. Donc, si vous aimez la couleur que j'utilise, je vais vous donner la référence de la couleur. 441, c'est la couleur donc Shad 441. Et je vais vous donner l'échantillon. Donc, c'est 22 mailles sur 28 pour avoir un carré de 10 sur 10 avec des aiguilles numéro 4. Donc, dans un premier temps, nous allons monter 30 mailles des tricopines. Nous montons 30 mailles. Nous sommes sur l'envers de notre travail et nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc, une avec notre maille lisière, 2, 3, 4. Donc, 4 mailles à l'endroit, je tourne. Donc, je tourne. La première maille, je ne la tricote pas et je tricote les suivantes. Je retourne et cette fois-ci, je vais tricoter mes 4 mailles. 1, 2, 3, 4 mailles. Donc, mes 4 mailles plus 2 mailles. Plus 2. Je tourne et je tricote mes 6 mailles à l'endroit. Donc la première, je ne la tricote pas et je tricote les mailles suivantes. Donc nous avons 6 mailles. Je tourne, donc vous devez obtenir quelque chose comme ceci pour l'instant. Regardez, je tourne. Et cette là, regardez les tricopines, donc je tricote mes 6 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1. Donc j'ai 7 mailles. Je tourne et je tricote mes 7 mailles. Donc la première maille, nous ne la tricotons pas. Je tourne et maintenant je vais tricoter. À chaque fois, je vais tricoter une maille supplémentaire. Une, donc j'en ai 3 avec ma maille lisière, 4, 5, 6, 7, plus 1, 8. Donc j'ai tricoté 8 mailles, je tourne et je tricote mes 8 mailles. Donc la première, je ne la tricote pas, je tricote les 7 suivantes. 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne et maintenant je vais tricoter 9 mailles. Plus 1, donc 9 mailles. Je tourne. Donc la première maille, je ne la tricote pas, je tricote les 8 suivantes. Toujours à l'endroit. Je tourne. Et je vais tricoter. Donc 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus une maille, donc 10 mailles.
Donc, nous avons quelque chose, regardez, comme ceci, les tricopines, c'est normal, c'est ce que nous voulons. Donc, je passe la première, je tricote les mailles suivantes. Donc, je tourne et je vais tricoter donc mes mailles plus une maille supplémentaire. Donc, j'ai tricoté 10 mailles plus une, donc 11 mailles. Je tourne. La première, nous ne la tricotons pas. Et je tricote les 10 suivantes. Je tourne et je tricote mes 11 mailles. Plus une maille supplémentaire, je tourne et donc la première, nous ne la tricotons pas, je tricote les mailles suivantes. Je tourne et je vais tricoter 13 mailles, les tricopines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Regardez, je suis arrivée à ce point-là. 12. Et je tricote une maille supplémentaire, donc 13. Je tourne. Donc la première maille, nous ne la tricotons pas, d'ailleurs, c'est... Voilà, voilà, j'ai perdu, voilà, je rattrape ma maille, donc... Je tourne et je vais tricoter toutes mes mailles, sauf la première bien sûr, à l'endroit. Donc maintenant je vais tricoter 13 mailles plus une, donc 14 mailles au total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et plus 1, donc 14. Je tourne la première, je ne la tricote pas et je tricote les suivantes. Donc nous allons faire ceci jusqu'à ce qu'il nous reste 10 mailles sur notre aiguille. Donc 10 mailles que nous n'aurons pas tricotées et 20 mailles que nous aurons tricotées. C'est-à-dire de ce côté-ci, nous allons avoir 20 mailles et ici 10 mailles. Donc on continue ensemble. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus 1, 15. 15 mailles, je tourne. Donc, pas la première, je tricote les suivantes.
je tourne et je vais tricoter 16 mailles. Donc 16 mailles, je tourne et je tricote donc mes mailles à l'endroit, sauf la première maille. Nous avons un résultat, regardez, comme ceci, et on continue. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, plus une, dix-sept. On tourne. Et nous allons tricoter, non pas la première, mais les suivantes, donc 16 mailles. En tout, nous avons 17 mailles. Je tourne et je vais tricoter maintenant 18 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je tourne. Donc la première, nous ne la tricotons pas et nous tricotons le reste. Maintenant, nous allons tricoter 19 mailles, les tricopines. Dix-neuvième maille. Et on tourne et nous allons tricoter nos mailles à l'endroit. Et maintenant, nous allons tricoter 20 mailles et nous aurons presque terminé. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc ça, c'est notre dernière maille. Je tourne
Et je tricote donc toutes mes mailles, sauf bien sûr la première. Alors, nous avons terminé pour ce qui est de notre rang raccourci. Nous allons maintenant tricoter toutes nos mailles. J'ai du mal à me cadrer, voilà. Nous allons tricoter toutes nos mailles. Donc nous tricotons nos 30 mailles. Nous sommes sur l'envers de notre travail. Et maintenant, regardez, nous tricotons toutes nos mailles jusqu'au bout. Voilà les tricopines. Donc, nous avons tricoté toutes nos mailles et regardez, nous obtenons quelque chose comme ceci. Maintenant, les tricopines, nous allons tricoter 9 mailles. Nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous tricotons 9 mailles en comptant notre maille lisière. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles. La dixième maille, nous allons la tricoter à l'envers. Et toutes nos mailles, nous les tricotons à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers de mon travail et maintenant les tricopines, je vais tricoter 20 mailles à l'endroit. Donc, nous tricotons nos 20 mailles à l'endroit. Notre maille suivante, c'est notre 21e maille. Et regardez, elle se présente à l'endroit. Nous n'allons pas la tricoter comme ceci, normalement, mais nous allons piquer au cœur de notre maille, regardez, qui est juste en dessous. Vous avez votre maille sur votre aiguille, celle-ci, on n'y touche pas, on va aller chercher l'espace qui est juste en dessous. Donc je vais vous montrer de plus près. Regardez, nous avons notre maille, d'habitude on tricote comme ceci. Cette fois-ci non, nous allons aller piquer au cœur de la maille qui est juste en dessous et nous allons faire une maille perlée. Et on continue à tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Donc, nous allons continuer ainsi les tricopines, c'est-à-dire sur l'endroit du travail. Donc, l'endroit, c'est comme ceci. Regardez ici, nous sommes sur l'endroit. Alors, nous allons tricoter 9 mailles. Nous tricotons nos 9 mailles à l'endroit. Et
Notre 10e maille, nous la tricotons à l'envers. Et toutes nos autres mailles, nous les tricotons à l'endroit. Donc vous allez répéter ces deux rangs. Donc ça, ça va être notre, si vous voulez, notre premier rang. Sur l'endroit, la 10e maille, nous la tricotons à l'envers. Et je vais vous montrer encore une fois. Alors je vais assez vite dans le sens où il n'y a rien de... Il n'y a rien de particulier ici à montrer. Donc, pareil, vous allez tricoter vos mailles tout à l'endroit. Et quand vous allez arriver à votre 21e maille, elle va se présenter à l'endroit, vous allez voir. Vous allez faire une maille perlée, c'est-à-dire piquée au cœur de la maille. Regardez, vous n'avez même pas besoin de compter, votre maille, vous la voyez très bien. Donc, vous allez venir piquer au centre, ici, les tricopines. Pas la maille qui est sur notre aiguille, mais la maille qui est juste en dessous. Regardez, on pique au centre comme ceci, et on tricote, et on retire de notre aiguille, et nous avons fait une maille perlée, et tout le reste, nous tricotons à l'endroit. Vous allez tricoter... Ainsi, les tricopines, donc répétez ces deux rangs. Sur l'endroit, vous allez faire une maille à l'envers, à votre 9e rang. Sur l'envers, vous allez tricoter en maille perlée. Et vous allez voir que en remontant un petit peu comme ceci, regardez, nous allons avoir comme un petit creux qui va se former ici et qui va nous donner un effet comme si nous avions fait une petite pince ici, tout le long de notre gilet. Donc maintenant les tricopines, vous allez continuer à tricoter pendant 41 rangs. Nous avons fait, alors que je dise pas de bêtises, 2 et 2, 4. Nous avons fait 6 rangs ensemble. Vous allez continuer à tricoter pendant 38 rangs de la sorte. Exactement pareil. Sur l'envers, votre 9e, sur l'endroit, pardon, votre 9e maille, vous allez la tricoter, votre 10e maille. Je reprends. Sur l'endroit, votre 10e maille, vous allez la tricoter à l'envers. Sur l'envers de votre travail, de toute façon ici, vous voyez bien, regardez, nous avons regardé comme une maille qui se présente ici à l'endroit. Vous allez piquer au cœur du centre, au cœur de la maille qui est juste en dessous de votre aiguille pour faire votre maille perlée. Et vous allez continuer ainsi pendant 38 rangs, soit... Au total, vous devez obtenir, si vous comptez comme ceci, une, deux, nous en avons fait trois, vous devez obtenir 22 barres de points mousse au total. Et on va se retrouver après pour former l'emmanchure de notre gilet. Nous allons maintenant commencer à faire les diminutions au niveau de nos emmanchures. Alors, nous sommes sur l'endroit de notre travail et nous allons tricoter donc nos 9 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 9 mailles, une maille à l'envers. Et je vais tricoter mes mailles jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Donc je continue à tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles. Il me reste, regardez, 3 mailles, 1, 2, 3, et maintenant les tricopines, regardez, je prends mon fil face à moi et je vais tricoter une maille à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Je tourne et maintenant je suis sur l'envers de mon travail et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit,
nous allons faire, regardez, une maille perlée, exactement comme nous avions fait de ce côté-ci. Donc je vais piquer ma troisième maille, regardez, au centre de la maille qui est juste en dessous. Et je vais prendre deux mailles ensemble. Regardez, ma première maille, regardez, je la retire, je la repositionne comme ceci. Et je tricote les deux ensemble. Je tourne. Je tourne. Donc, la première maille, bien sûr, nous la tricotons pas. La deuxième maille, la maille qui suit est une maille à l'envers. Et je tricote une, deux mailles à l'endroit. Je tourne. Je vais tricoter deux mailles, une, deux mailles à l'endroit, une maille perlée, c'est-à-dire la maille qui est à l'endroit, regardez, je vais la piquer au cœur, la maille qui suit, je la retire, je la repositionne comme ceci et je tricote les deux ensemble. Je tourne. En même temps, je suis sur ma fiche pour ne pas justement me tromper. Donc, une maille. La maille, je ne la tricote pas. La maille qui suit est une maille à l'envers. Et une, deux mailles à l'endroit. Je tourne. Et je tricote. Deux mailles à l'endroit. La maille qui suit est une maille perlée, donc je pique au centre, regardez, de ma maille comme ceci. Je prends ma maille, celle-ci, je la retourne comme ceci, je la repositionne et je tricote deux mailles ensemble. Donc, j'ai fait ceci pendant 4 fois. Nous devons rabattre 4 fois. Donc, je tourne. Et je tricote. La première maille, je ne la tricote pas. La deuxième, je la tricote à l'envers. Et les deux suivantes à l'endroit. Je tourne. Et là, les tricopines, nous allons faire notre 1, 2, 3, 4e diminution, c'est-à-dire, regardez, deux mailles à l'endroit, notre maille perlée. Je prends la maille suivante, regardez, je la repositionne comme ceci sur mon aiguille et je vais tricoter les deux mailles ensemble. Je continue. Maintenant, je tricote toutes mes mailles. Donc, je tricote mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire que là, regardez, je vais tricoter mes mailles à l'endroit et arriver ici, je vais faire une maille perlée, c'est-à-dire je vais aller piquer dans le centre de la maille qui est en dessous. Je tricote mes mailles suivantes à l'endroit et je tourne, je suis sur l'endroit. Et maintenant, vous voyez, ici, nous avons notre emmanchure qui commence à se former. Et ici, nous allons faire notre encolure. Donc, nous allons faire le col. Donc, pour cela, nous allons rabattre 7 mailles, les tricopines, par la méthode du surjet simple, comme ceci. Une. Deux. 4, 5, 6 et 7. Donc j'ai rabattu 7 mailles et maintenant je vais faire une maille à l'endroit.
La maille suivante est une maille à l'envers. Et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc, là, j'ai tricoté. Regardez. Et ici, il ne faut pas que j'oublie de tricoter ma maille, regardez, qui est ici, en maille perlée aussi, c'est-à-dire en maille envers. Donc, je tricote mes mailles. Et regardez, il me reste 3 mailles. Donc, la troisième maille, elle est... Enfin, la première des trois mailles, elle est à l'envers et les deux suivantes sont à l'endroit. Maintenant, les tricopines. Nous allons continuer à faire des diminutions. Alors, je tricote une, deux mailles à l'endroit, une maille perlée. Ma maille qui suit, regardez. Je la repositionne, je l'enlève de mon aiguille de gauche et je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je tricote ces deux mailles ensemble. Maintenant, je vais tricoter à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles avant ma maille perlée, c'est-à-dire ici, regardez. Regardez, il va me rester 5 mailles. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles. Et maintenant, regardez, je continue à faire les diminutions pour l'encolure. Et pour cela, donc, je prends deux mailles, comme ceci, les tricopines, regardez. Par derrière, comme ça. Ensemble, la maille suivante est une maille perlée et deux mailles à l'endroit. Je tourne et je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze mailles à l'endroit, une maille à l'envers et deux mailles à l'endroit. Je tourne, je suis sur l'envers et je vais continuer donc à faire encore des diminutions. Donc deux mailles à l'endroit, une maille perlée, la maille suivante, regardez, je la prends sur mon aiguille de droite sans la tricoter et je la repositionne sur mon aiguille de gauche et je prends les deux mailles suivantes ensemble. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles. Il me reste 5 mailles. Et là, regardez, les deux mailles suivantes ensemble, comme ceci. Une maille perlée, deux mailles à l'endroit. Donc, sur l'envers, nous allons tricoter nos mailles comme elles se présentent. Une maille, deux mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et je vais tricoter une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Je suis sur l'envers et je vais faire mes diminutions. Donc 2 mailles à l'endroit, une maille perlée. La maille suivante, regardez, je la repositionne et je prends ces deux mailles ensemble. Je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 5 mailles.
il me reste 5 mailles et cette fois-ci je prends 2 mailles ensemble, une maille perlée et 2 mailles à l'endroit. Donc sur l'envers, je tricote mes mailles comme elles se présentent. 1, 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles, 7 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Je vais voir combien de mailles il nous reste, les tricopines. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous allons faire une dernière diminution de façon à ce que nous ayons 12 mailles sur notre aiguille. Une maille perlée. Je retourne la première maille et les deux suivantes ensemble. Et maintenant, je vais tricoter mes mailles comme elles se présentent. Donc la maille suivante est une maille perlée. Et voilà. Donc je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mailles, regardez, sur mon aiguille. Voilà, regardez ce que nous obtenons, les tricopines. Maintenant, les 12 mailles, les tricopines que nous avons ici, ces 12 mailles, nous allons les tricoter comme elles se présentent, c'est-à-dire sur l'endroit, 2 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit, 1 maille à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Vous allez tricoter ainsi les tricopines pendant 70 rangs. Donc, sur l'envers, vous allez piquer dans votre maille perlée. Vous allez faire une maille perlée, du moins, vous allez tricoter 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Une maille perlée, 2 mailles à l'endroit. Donc, vous allez continuer ainsi à tricoter. Vous allez continuer ainsi pendant 70 rangs, comme ceci les tricopines, pendant 70 rangs, ou alors vous pouvez, donc ça c'est l'envers de notre travail, ici c'est l'endroit de notre travail, donc vous pouvez continuer à tricoter ainsi 70 rangs après notre dernière diminution. C'est-à-dire, regardez, nous voyons ici nos diminutions, vous voyez? Et à partir de la dernière diminution, donc, à partir de notre dernière diminution, nous allons faire 70 rangs ou alors 35 barres de points mousse, si vous voulez compter vos barres de points mousse, sachant que une barre de points mousse est égale à 2 rangs. Donc ça nous fait 70 rangs. Nous avons fait donc 2 rangs ensemble. Vous allez faire pendant 68 rangs ou alors, comme je vous ai dit, pendant 68 rangs ou alors pendant ou alors vous allez faire encore 34 barres de points mousse, excusez-moi. Voilà, vous allez continuer ainsi à tricoter une longue bande sur ces 12 mailles en respectant ici nos mailles de chaque côté, regardez, de nos bordures, de bien respecter ces mailles, c'est-à-dire vous les tricotez à l'envers sur l'endroit et en maille perlée sur l'envers. Et on se retrouve pour la suite. Voilà les tricopines, le résultat que nous obtenons. Nous avons une bande comme ceci. Alors, je vais vous donner la hauteur total, regardez, en partant de notre bout ici, de notre pointe pointue ici. Donc, je vais vous donner la longueur totale, c'est de 40 cm les tricopines. Donc, nous avons 40 cm. Alors, si vous avez une aiguille supplémentaire, les tricopines, vous pouvez donc
les faire passer sur une autre aiguille numéro 4. Si vous n'avez pas d'aiguille numéro 4, vous pouvez les faire passer sur des aiguilles numéro 3 et laisser en attente. Et donc nous avons terminé pour ce côté-ci, les tricopines. On va se retrouver dans la deuxième partie pour faire le côté opposé, donc le côté où nous allons placer des boutonnières. Donc je vous dis à très vite dans la deuxième partie, les tricopines.